Retrouve la taille estimée du célèbre monstre du Loch Ness, sachant qu'il mesure 20 mètres de plus que la moitié de sa propre longueur. Il ne lui resta alors que 10 salariés dans l'usine initiale. Combien de salariés de ce chef d'entreprise a-t-il ? Résoudre des soucis de chef d'entreprise, des problèmes de fermier et de lait qui rappellent l'école d'autrefois. Découvrir la taille du monstre du Loch Ness. Eureka Math, c'est un défi mathématique pour ses élèves de 6e. Par exemple, l'exercice là avec le monstre du Loch Ness, il peut tout à fait se résoudre à un niveau bien supérieur à la 6e avec les équations par exemple. Mais forcément, en 6e, bon, les équations sont inconnues pour eux, indirectement. Mais en faisant ce qu'on appelle la stratégie par essai-erreur, ils arrivent à trouver la réponse d'eux-mêmes et en essayant de faire une équation, mais sans s'en rendre compte, quoi. Ah oui, mais parce qu'en fait, je l'avais pas compté. Après, là, si tu mets... L'important, c'est d'y prendre du plaisir. Comme pour Mathis, qui a déjà la bosse des maths. Et là, du coup, on a mis 6 euros, parce que si on enlève 2 euros à 1 et qu'on le donne à l'autre, ça fera que celui qu'on a enlevé, il a 4 et l'autre 8, donc c'est le double. Et si on enlève 3 euros à 1, ça fait 3. Et si on rajoute 3 à 6, ça fait 9, donc 3 fois plus. Rien d'étonnant alors à ce qu'au concours national, les jeunes Miquelonais soient déjà bien placés. C'est certainement aussi grâce à leur prof de maths, passionné par son métier. Il y a souvent une appréhension avec les maths, souvent on dit « Oh, les maths, c'est dur, oh, les maths, c'est embêtant, ça sert à rien. » Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de montrer l'intérêt des maths aux élèves. On a notre programme à faire, donc c'est vrai qu'il faut qu'on trouve des exercices qui soient intéressants, le plus proche d'eux aussi, de la vie quotidienne, qui les touche. Et si, comme les enfants, vous avez cherché la réponse, la taille du monstre du Loch Ness est de 40 mètres. Et on le sait, les mathématiques sont une science exacte.